que vous soyez, quel que soit le regard que vous portez sur vous, ou le regard que d'autres portent sur vous, Dieu vous regarde et vous accueille comme son enfant bien-aimé. Oui, vous qui êtes ici, vous êtes tous et toutes fils, filles de Dieu. Soyez chacun, chacune les bienvenus pour ce moment de méditation, de partage de la parole de vie, dans l'écoute, dans les mots d'hier et d'aujourd'hui, dans le chant, puisque nous avons le droit de chanter, dans la musique, dans le silence aussi. Au seuil de l'été, dans ce premier dimanche de vacances pour nos enfants et nos jeunes, nous voici rassemblés dans notre belle cathédrale pour nous mettre ensemble à l'écoute d'une parole qui nous vient d'ailleurs et qui s'adresse en même temps à nous comme communauté, comme assemblée, et à chacun et à chacune particulièrement pour recevoir quelque chose qui lui soit propre. Pour ouvrir ce moment de culte, je vous propose de vous lever et de chanter ensemble notre louange à Dieu avec les mots du psaume 8, qui se trouve en fait au numéro 7 dans les psaumes et cantiques, les trois strophes. Ce matin, j'ai choisi de vivre une grande partie de notre liturgie à l'écoute du très long psaume 119, que je ne lirai pas en entier, mais qui est consacré à la Torah de Dieu, à la Torah dans sa beauté et dans son incarnation dans nos vies. Alors en français, on traduit généralement Torah par loi ou commandement, parce qu'on ne peut pas tout dire avec un seul mot. Mais en hébreu, Torah recouvre bien d'autres nuances. Paroles, jugements, préceptes, désirs, volontés, chemins, enseignements. La Torah est une loi, certes, mais une loi qui fait grandir, qui invite à aller plus loin, qui stimule notre être. Alors voici pour porter notre louange quelques versets de ce psaume 119. Toi, Éternel,
Tu donnes tes préceptes pour qu'on les garde avec conviction. Que mes chemins se fixent sur ton étoile, voilà mon désir. En contemplant tes volontés, je serai délivré de la honte. Je te chante dans la droiture de mon cœur en apprenant les jugements de ta justice. Tes ambitions, je veux les suivre vraiment. Ne me laisse pas tomber. De tout mon cœur, je t'ai cherché, Éternel. Ne permets pas que je dévie de ton chemin. Au-dedans de moi, j'ai enfoui tes promesses pour ne pas te trahir. Béni sois-tu, Éternel Dieu. Sur le chemin de ta bonne nouvelle était ma joie, plus qu'en tous les trésors du monde. Éternel, je veux méditer tes confidences, contempler les secrets du bonheur. C'est dans tes désirs que je trouve ma joie. Je ne peux oublier ta parole. Enlève le bandeau de mes yeux et je pourrai reconnaître les merveilles de ta loi de vie. Je suis une étrangère sur cette terre, si j'ignore pourquoi vivre. Tes témoignages font ma joie, tes désirs sont mes conseillers. Fais de moi une vivante selon ta parole créatrice. Fais-moi comprendre le chemin de tes préceptes. Dans la méditation, je repasserai tes merveilles en mon cœur. Éternel, je choisis la route de la confiance avec toi. Ta façon de voir est ma boussole, j'adhère à tes témoignages. Je cours sur les sentiers de ton désir, tu élargis l'espace de mon cœur. Enseigne-moi, Éternel, le chemin de tes volontés, et je suivrai ta trace. Donne-moi un cœur qui écoute, que j'applique tes exigences avec tout mon amour. Guide-moi sur le sentier de tes observances, car là se trouve ma joie. À jamais, Éternel, ta parole demeure dans le ciel, et de génération en génération ta fidélité. Tu as posé la terre et elle tient ferme. Tout n'existe qu'en tes jugements. Sans le livre de la loi de vie, ce livre qui fait ma joie, j'étais perdue dans l'humiliation et la misère. Jamais je n'oublierai tes orientations. Elles font de moi une vivante. Amen. Et nous nous plaçons devant Dieu pour lui dire nos faiblesses, pour lui demander son aide. Et ce sont encore des versets du psaume 119. Dans ta tendresse, entends ma voix, Éternel. Fais de moi une vivante selon les jugements de ton cœur. Le mal est là, tout proche. Il veut m'éloigner de ton désir. Mais toi, tu es plus proche encore. Autrefois, j'ai compris tes pensées. Elles sont maintenant enracinées pour toujours en moi. Vois mon tourment, Éternel, ramène-moi à toi, délivre-moi, fais de moi une vivante selon ta promesse. Il y a en moi quelqu'un qui est prêt à trahir ta promesse. J'ai horreur de cette part de moi. Je t'aime pourtant, Éternel. Viens au secours de mon pauvre amour vacillant. Rends-moi la vie selon ta miséricorde. J'ai besoin de ton aide. J'aspire à ta délivrance. Retrouve-moi, Éternel. Ta parole est ma vie. Amen. Et je vous invite à vous lever pour chanter le 389, les deux premières strophes, et garder la page parce que nous chanterons la troisième après les paroles de grâce.
parole de grâce est une parole qui nous remet debout, en marche dans nos vies. À chacun, à chacune, et à nous rassembler, Dieu dit « Tu es mon enfant bien-aimé. Lève-toi, quitte ton pays, tes enfermements, les liens qui t'empêchent d'avancer. Va vers le pays que je te montrerai. Je te bénirai et tu deviendras source de bénédiction. » Amen. Lisons l'Évangile selon saint Marc, chapitre 6, versets 1 à 6. La scène se déroule à Nazareth, où le Christ, Jésus, est né, donc c'est sa ville natale. Étant parti de là, Jésus vint dans sa patrie, et ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Et beaucoup de ceux qui l'entendaient, frappés d'étonnement, disaient « D'où celui-ci tient-il ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et comment de tels miracles s'opèrent-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joseph, de Jude et de Simon ? Ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous ? » Et ils se scandalisaient de lui. Jésus leur dit : Un prophète n'est sans honneur que dans sa patrie, dans sa maison et dans sa famille. Et il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il guérit quelques malades en leur imposant les mains. Et il était surpris de leur incrédulité. Et c'est encore le psaume 119 qui nous offre les mots pour demander à Dieu son esprit, au moment d'ouvrir la Bible pour y entendre une parole pour notre vie. Éternel, je me souviens pendant la nuit de ton nom. Je suis. Je peux mettre en pratique ta loi de vie avec ton aide, et c'est cela que tu me confies. Traduire en actes tes préceptes, c'est cela ma part. Je m'adresse à toi de tout mon cœur, je prends soin de moi selon ta promesse. Envoie sur moi le souffle de tes lèvres pour que ta parole parle à mon cœur. Oui, Éternel, ta parole est une lampe pour mes pas, une lumière sur mon chemin. Amen. Et je vous invite à vous lever pour chanter le numéro 211, les strophes 1, 3 et 4. Thank you.
Jésus ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains sur quelques malades et les guérit. Il y a là pour moi en tout cas deux étonnements au moins que je vous propose d'explorer ensemble. D'abord, cette sorte de banalisation des guérisons physiques opérées par Jésus. Et ensuite, l'impuissance de Jésus à Nazareth à en opérer plus. Commençons par le statut des guérisons physiques, que notre récit compte apparemment pour presque rien, puisqu'il ne put faire aucun miracle, si ce n'est de quelques guérisons. On pourrait presque dire qu'ils sont des miracles ordinaires. Pourtant, ces guérisons nous semblent à nous spectaculaires. Et hier comme aujourd'hui, ce sont elles qui arrêtent d'abord l'attention. Certains les considèrent avec réticence, parce qu'elles vont contre la raison, peut-être aujourd'hui encore plus qu'hier. Et donc, elles suscitent la méfiance. D'autres, au contraire, y voient un signe rassurant, essentiel, de la puissance divine qui dépasse ce que notre raison peut appréhender. Oui, on s'est beaucoup écharpé, et on s'écharpe encore beaucoup, sur la place qu'il faut accorder à ces miracles. Est-ce qu'ils sont des obstacles à la foi ou une condition sine qua non pour fonder la foi? Notre évangile du jour nous dit que quand Jésus fait des guérisons physiques inattendues, c'est bien un miracle, mais c'est presque pas la peine de le mentionner, et pour plusieurs raisons. La première, c'est que pour le rédacteur de l'Évangile, il est évident que Jésus, et à travers lui Dieu, souhaite que notre corps se porte le mieux possible, ne soit pas source de souffrance pour nous. Dieu n'est pas la source de la maladie, et bien sûr, il fait ce qu'il faut pour lutter contre la maladie de bien des façons. Il n'y a pas la peine de s'attarder beaucoup là-dessus. La seconde raison, c'est que si Jésus de Nazareth a posé les mains sur des personnes qui vivaient en Judée et en Galilée il y a 2000 ans, il ne peut plus le faire pour nous qui lisons l'Évangile après les événements de Pâques. C'est donc pas très très utile de s'apesantir trop longtemps sur ces guérisons, puisque finalement, que Madame Intel il y a 2000 ans ait été guérie de sa main paralysée, si ça ne peut plus avoir lieu pour moi, en quoi est-ce que ça me concerne ? L'Évangile a été bonne nouvelle pour des générations avant nous, il le sera pour des générations après nous, et il est aussi bonne nouvelle pour nous, dans nos vies, ici, maintenant. Mais ici et maintenant, Jésus de Nazareth ne peut plus nous imposer les mains. Et l'Évangile ne peut donc pas faire des guérisons physiques le centre de son message. Alors ça ne veut pas dire que Dieu ne fait plus rien contre la maladie depuis la croix et la résurrection. Simplement, il passe par d'autres canaux que les mains de l'homme Jésus de Nazareth. Et en particulier, il passe par les mains et le cœur, par l'inspiration et le dévouement de toutes les femmes et de tous les hommes qui prennent soin des malades, qui observent, qui comparent, qui étudient, qui cherchent les remèdes, qui cherchent comment rester en bonne santé. Et il y a encore une troisième raison, et peut-être que c'est la plus importante, au quasi-silence gêné de Marc sur les guérisons opérées par Jésus. Ici, il les met un peu sous le boisseau, ailleurs, on voit Jésus commander aux personnes qu'il guérit de ne surtout rien en dire. C'est qu'elle risque de détourner l'attention, risque de détourner l'attention de ce qui compte vraiment dans le ministère de Jésus. Et ce qui compte vraiment dans le ministère de Jésus, c'est ce qui se produit dans la rencontre avec tout un chacun, quelle que soit sa condition, malade ou pas, infirme ou pas, homme ou femme, enfant ou vieillard, riche ou pauvre, honnête ou malhonnête, ou quelles que soient les étiquettes qu'on se met. Le cœur du ministère de Jésus se situe sur le plan spirituel, c'est-à-dire sur le plan de la relation entre l'humain et Dieu. Et c'est pour cela qu'il parle ici de lui-même comme d'un prophète et pas comme d'un guérisseur. Jésus, par son enseignement, par ses actes, ses choix, sa mort, sa résurrection, est venu d'abord nous parler de Dieu et de la relation qu'il cherche à nouer avec chacun de nous. Une relation sans peur. Une relation basée sur la confiance et la gratuité.
une relation qui donne les fondations pour marcher dans la vie de manière libre, confiante, détachée du poids des conventions sociales ou familiales. Une relation qui autorise à poser un regard neuf sur les gens, sur les situations, et à faire jaillir la vie là où n'étaient que des forces de mort. Oui, dans la relation à Dieu que Jésus est venu manifester et qu'il nous invite à vivre nous aussi, il s'agit d'amarrer notre être au « je suis » divin, d'ancrer sa vie à la puissance de vie offerte en Dieu. Une puissance qui n'est pas puissance de domination, mais qui est puissance d'aimer, de faire des choix, de traverser ce qui fait mal sans être brisé. Puissance d'agir dans sa vie et dans celle des autres pour libérer les forces de vie. Et cela, c'est bien plus vaste que la capacité, absolument pas négligeable par ailleurs, à guérir telle ou telle maladie du corps. Ça guérit les maladies et les infirmités de notre intériorité. Oui, c'est une puissance réelle qui peut déplacer les montagnes. Et même si ça sonne drôlement à nos oreilles, c'est aussi une puissance vulnérable, parce qu'elle dépend de la relation qui s'établit ou non entre l'être humain et Dieu, et que toute relation est vulnérable. À Nazareth comme ailleurs, Jésus est prêt à partager cela, à rencontrer, à manifester ce Dieu qu'il appelle Père et qui l'habite. Mais ici, dans sa ville natale, il se retrouve impuissant à le faire. Et pourquoi ça? Parce que les gens de Nazareth ne voient pas en Jésus une personne à découvrir, mais une personne qu'ils connaissent déjà. Ils l'ont vu tomber, s'écorcher les genoux, se disputer avec d'autres garçons, sourire aux filles peut-être, fuguer au temple de Jérusalem, recevoir des remontrances de la part de ses parents parfois. Ils connaissent son caractère, sa manière de travailler, d'entrer en relation. Jésus leur est tellement familier qu'ils n'ont pas de place dans ce tableau pour découvrir en lui autre chose que ce qu'ils connaissent déjà. Et cela limite la puissance d'action de Jésus. Peut-être avez-vous déjà connu cette sensation. Quand on se retrouve avec des gens qu'on connaît depuis des années, que ce soit la famille ou des amis, et qu'on se raconte pour la 450e fois les mêmes histoires, et qu'on a cette sensation à la fois de retrouver des vieilles pantoufles confortables et en même temps de tourner en rond dans du déjà vu, dans du déjà vécu. Oui, cette vieille histoire de la fois où vous aviez perdu vos clés de voiture et que tout le monde avait dû retourner la maison de vacances pour vous aider à les retrouver. Vous êtes tellement étourdi. Qui voudra bien voir que depuis, vous avez déployé de belles capacités d'organisation, que vous avez aussi des trésors de créativité? Ou bien cette vieille histoire de quand votre cousin n'avait rien compris à ce que disait ce policier italien, donnant lieu à un quiproquo magnifique. Oui, bien sûr, il a toujours été nul en langue. Qui verra son don pour écouter les enfants sans parole et sa capacité à se remettre sans cesse en question, à apprendre des choses nouvelles? Les gens de Nazareth sont ce jour-là dans ce même type de situation, et même ils vont un peu plus loin. Ce Jésus que nous connaissons si bien, d'où tient-il son autorité et sa puissance à faire des choses que nous ne faisons pas, demande-t-il. Il est pourtant allé se baigner dans la même rivière que nous, il a mangé la même chose que nous, il est tout pareil que nous. Et maintenant, il semble différent. Un peu comme si votre fameux cousin nul en langue devenait tout à coup secrétaire général de l'ONU. Pourquoi et comment ce sort lui échouerait-il à lui et pas à vous, puisque vous savez bien qu'il n'est pas meilleur que vous? Derrière ces questionnements, ceux des gens de Nazareth et les nôtres, il y a la croyance qu'il y a des êtres exceptionnels et qu'ils l'ont toujours été depuis leur naissance, que ça doit se voir, qu'ils sont vraiment différents. Et c'est parce qu'ils sont différents qu'ils nous apportent quelque chose, à nous les ordinaires. Mais Jésus n'est pas un être extraordinaire au sens attendu du terme. Il est un humain comme les autres, qui a grandi comme les autres. Là où il est extraordinaire, c'est qu'il s'est rendu transparent à la présence de Dieu en lui et qu'il l'a rayonné autour de lui.
et surtout qu'il a sans cesse voulu montrer le chemin à celles et ceux qu'il a rencontrés pour qu'ils fassent de même. Le rejet de Jésus par les habitants de Nazareth dit notre difficulté à entendre que Jésus n'est pas seulement un être exceptionnel, mais aussi un être humain très ordinaire, qui nous invite à faire la même chose que lui. En langage savant, on appelle ça l'incarnation. Dieu vient habiter en l'humain Jésus. Et la vocation universelle. Nous sommes tous et toutes appelés à devenir temple de Dieu, à laisser la présence de Dieu en nous, rayonner autour de nous. Les habitants de Nazareth, que nous sommes nous aussi un peu parfois, croient connaître, croient savoir. Et ils sont enfermés dans ce savoir qui ne laisse aucune place au doute, à la surprise, à la rencontre. Et pourtant, ils croient savoir, mais ils ne savent pas tout de Jésus. Ils ne savent pas tout les uns des autres. Ils ne savent même pas tout d'eux-mêmes. Ils ne savent pas qu'eux aussi peuvent entrer dans cette relation confiante avec Dieu et que cela peut changer leur vie. Ils ne savent pas que leur manière de se comprendre eux-mêmes et de comprendre les autres, y compris Jésus et Dieu, est partielle et qu'en la posant comme un absolu, ils s'enferment et ils enferment les autres. Jésus, lui, s'étonne. Il essaie, il se laisse surprendre. Il regarde les autres tels qu'ils sont, pas tels qu'il voudrait qu'ils soient. Il voit à la fois la belle personne que chacun est et ce qui l'empêche de se manifester déjà. Sans doute que si Jésus était venu d'ailleurs, avec un petit air exotique, il aurait été écouté à Nazareth. Les gens de Nazareth voulaient un gourou avec une sagesse inconnue et ils ont l'enfant du pays, avec la même sagesse qu'eux, mais qui l'habite autrement. Ils ont un Dieu qui vient les rencontrer dans la banalité de leur vie et qui, au sein de cette banalité, ouvre des chemins complètement inattendus. Peut-être que vous avez déjà vécu ce sentiment de vous trouver seul quelque part, sans personne qui vous connaisse ou qui croit vous connaître, et de vous dire tout à coup « Et si je faisais quelque chose que je ne fais jamais dans ma ville, là où je peux être reconnue et jugée ? Et si je m'asseyais un moment avec cette femme qui fait la manche ? Et si j'entrais dans ce bar branché pour y danser jusqu'au bout de la nuit ? Et si j'allais lire à haute voix des poèmes dans le parc ? Et si je laissais de côté ce que je crois savoir de moi, ce que je crois savoir des autres, et que je posais sur tout ça un regard totalement neuf ? Dans une telle situation, le sentiment de liberté est enivrant et terrifiant aussi. Et pourtant, c'est un peu ce que Jésus nous propose d'oser chaque jour, être autre que ce que nous avons toujours été, ou bien être le même, mais libéré de l'enfermement des étiquettes. Être un « je suis », libéré de toutes les étiquettes, libre d'en endosser une ou plusieurs pour un temps, mais en sachant que cette étiquette ne dit pas le tout de notre être. Et alors, dans une telle liberté, quelque chose de neuf peut se produire, un véritable miracle, une résurrection intérieure. Mais parfois, il ne se passe rien. Quelque chose nous empêche d'oser, de répondre à l'invitation du Christ. Rien n'est possible ici et maintenant. Et ce n'est pas si grave. Il n'y a aucune menace associée à cela. Jésus ne grille pas les habitants de Nazareth sur place, il ne les maudit pas. Il fait ce qu'il peut faire presque malgré eux, guérir ceux qui souffrent le plus manifestement par le toucher, qui passe au-delà de l'enseignement intellectuel. Et puis il va plus loin, il laisse passer du temps, il laisse mûrir, il attend, il espère. C'est sa manière à lui de refuser les étiquettes qu'on veut lui coller à la peau avec une colle extra forte. C'est sa manière de dire « Oui, je suis comme vous êtes de Nazareth. » Mais cela ne dit pas encore le tout de ce que je suis, ni de ce que vous êtes.
Bien sûr, il y aurait eu tellement plus à vivre à Nazareth, tellement plus à guérir, tellement plus à déployer. Ils sont passés à côté et Jésus passe son chemin. Il ne veut et il ne peut forcer personne. Peut-être plus tard, en un autre lieu, les choses seront différentes et une rencontre pourra avoir lieu. La non-rencontre de Nazareth est un échec de Jésus et ce n'est pas le seul. Toute son histoire est jalonnée de rendez-vous manqués, mais jamais de désespérance, car jamais Jésus ne perd son regard aimant sur l'humanité. Jamais il ne cesse de voir les autres, de nous voir comme il nous espère, comme les humains magnifiques, puissants d'amour que nous sommes déjà un tout petit peu et que nous sommes appelés à être encore plus. Nous sommes déjà, même si nous ne nous vivons pas comme tels, des prophètes et des prophétesses, capables de donner la vie et la guérison autour de nous. Oui, cela nous fait peur. Cela nous semble trop beau pour être vrai. Oui, c'est peut-être trop beau pour notre raison humaine, trop beau pour être vrai, qu'un homme né de nulle part, normal comme nous, puisse être le Messie. C'est trop beau pour être vrai que nous puissions l'être nous aussi. Et c'est pourtant ce qui nous est promis. Nous sommes les enfants bien-aimés de Dieu. Il nous aime et il nous appelle à vivre comme ses enfants. Amen.
pour ce dimanche où je vous ai parlé de décoller un peu les étiquettes qui nous collent à la peau et qui collent à celle de Dieu ou de Jésus, je vous propose quand même une confession de foi. Parce que les confessions de foi ne sont pas des étiquettes qu'on essaye d'imposer à Dieu pour enfermer notre compréhension, mais des tentatives, à un moment donné, par une personne ou un groupe, de dire qui est Dieu pour elle. Une tentative et pas une définition absolue. Et aujourd'hui, je vous propose de vous unir de cœur à celle qui est proposée par l'EPUDF, notre église sœur française. En Jésus de Nazareth, Dieu révèle son amour pour l'humanité et le monde. Dieu accueille chaque être humain tel qu'il est, sans aucun mérite de sa part. Dans cet évangile de grâce au cœur de la Bible, se manifeste l'Esprit de Dieu. Il permet à celles et ceux qui constituent l'Église d'être à l'écoute des textes bibliques et de se laisser conduire par eux au quotidien. Dieu nous a créés en nous invitant à vivre en confiance avec lui. Nous trahissons pourtant cette confiance et nous sommes confrontés à un monde marqué par le mal et par le malheur. Une brèche s'est ouverte avec Jésus, reconnu comme le Christ annoncé par les prophètes. Le règne de Dieu en lui est déjà à l'œuvre parmi nous. Nous croyons qu'en Jésus, le Christ crucifié et ressuscité, Dieu a pris sur lui le mal. Père de bonté et de compassion, il habite notre fragilité et brise ainsi la puissance de la mort. Il fait toutes choses nouvelles. Par son Fils Jésus, nous devenons ses enfants. Il nous relève sans cesse, de la peur à la confiance, de la résignation à la résistance, du désespoir à l'espérance. L'Esprit Saint nous rend libres, responsables par la promesse d'une vie plus forte que la mort. Il nous encourage à témoigner de l'amour de Dieu en parole et en acte. Dieu se soucie de toutes ses créatures. Il nous appelle, avec d'autres artisans et artisanes de justice et de paix, à entendre les détresses, à combattre les fléaux de toutes sortes. Inquiétude existentielle, rupture sociale, haine de l'autre ou de soi-même. Discrimination, persécution, violence, surexploitation de la planète, refus de toute limite. Dans les dons qu'elle reçoit de Dieu, l'Église puise les ressources qui lui permettent de vivre et d'accomplir avec joie son service. Proclamation de la parole, célébration du baptême et de la scène, prière, lecture de la Bible, vie communautaire et solidarité avec les plus fragiles. À celui qui est amour au-delà de tout ce que nous pouvons exprimer et imaginer, nous disons notre reconnaissance. Célébrez Dieu car il est bon et sa fidélité dure à toujours. Je vous invite à vous lever pour chanter le numéro 360, les trois strophes.
Voici la prière d'intercession, suivie du Notre Père que nous prierons ensemble. Ainsi, je vous invite à la prière. Notre Dieu, toi qui nous vois tels que nous sommes et dont le regard nous libère de nos enfermements, nous déposons devant toi toutes celles et ceux qui nous dérangent, parce qu'ils et elles ne correspondent pas à nos attentes. Les trop ceci, pas assez cela, celles qui ne rentrent pas dans les cases, ceux qui sont différents. Donne-leur la force et le courage de rester debout. Lave nos regards et notre cœur pour que nous les regardions un peu plus comme toi tu les regardes et un peu moins comme nos peurs les jugent. Nous voulons te prier pour celles et ceux qui sont malades ou endeuillés. Ne laisse pas ces circonstances devenir le tout de leur vie à leurs yeux, ni aux yeux de celles et ceux qui les entourent. Nous te prions particulièrement pour les jeunes, comme l'Église nous y invite cette semaine. Apporte ta lumière et ton discernement dans leurs rêves et leurs projets. En cette période de crise sanitaire mondiale où le quotidien et le lendemain sont faits d'incertitudes, sois leur repère. Conduis-les vers la source de l'espoir et du réconfort. Permets que ton souffle soit leur GPS, leur aide au positionnement, comme il est le nôtre. Dirige-les vers la vraie source de bénédiction où ils et elles trouveront une satisfaction holistique, globale, de leurs divers besoins, sans chagrin. Permets que ce vœu de l'apôtre Jean, « Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous », devienne réalité pour chacune et pour chacun. Et toutes nos prières, nous les rassemblons dans celles que Jésus, ton Fils et notre frère, nous a laissées. Levons-nous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Nous approchons de la fin de ce culte, c'est le moment des annonces. La première annonce est un grand merci à vous qui êtes là et à toutes celles et tous ceux qui ont permis que ce culte ait lieu. Un merci particulier à Vincent pour sa belle musique qui m'a beaucoup touchée après la prédication. Et puis, pour les annonces des prochaines semaines, simplement il y aura un culte tous les dimanches à la cathédrale et un culte tous les dimanches dans la paroisse Rive Gauche à côté. Ici, la semaine prochaine, ce sera avec Olivier Facio. Et puis, tout l'été, vous êtes invités les mardis soirs à rejoindre Malagnou pour lire un texte biblique avec d'autres, si ça vous dit. Il y aura à la sortie des flyers avec le programme, les horaires et les intervenants. Je vous invite à vous lever pour notre dernier chant, le 204, trois strophes, pendant lequel sera recueillie votre offrande, qui permet à l'Église de vivre et d'annoncer l'Évangile.
restons debout pour recevoir la parole d'envoi et de bénédiction. Si tu savais combien je te connais, combien je t'ai aimé avant de te connaître, si tu savais combien chaque repli de ton être est présent à mon être, combien les déchirures de ton présent me font souffrir, combien les espoirs de ton cœur sont les miens. Si tu savais, tu laisserais bien loin le chagrin et l'espoir viendrait te saisir. Ton cœur et mon cœur ne font qu'un. Je te comprends mieux que toi-même. J'ai du temps pour cela, toute l'éternité. L'éternité, je la veux au fond de toi. Je la suis au fond de toi. Je t'ai tendrement modelé. Chacune de tes pensées, je les ai moi-même pensées. Ton cœur et mon cœur ne font qu'un. Je suis en toi plus que toi-même. Vis. Oui, répondez chacun, chacune à cet appel que Dieu vous adresse. Vivez sous la bénédiction de Dieu qui vous accompagne chaque jour, chaque nuit. Amen.